Alors. Regardons la carte. Yes, c'est le photographe? Yes, c'est Albert, ok. Le photographe est revenu, donc ça va, on a la mission. On a la mission, on va faire ça, on va commencer à faire ça. Hier, par contre, on a récupéré un... À chaque fois, je veux dire logger, mais c'est pas les loggers, c'est des... Oh, Mother. C'est pas les... Les loggers, ils ont été inventés plus tard, je crois. En or, il est joli, mais il est un peu pourri. Enfin, il est pas... Hein, voilà, c'est bof. Je mets les smileys, ça affiche pas. Et... Pas grave. Je suis à 20-25 points équilibré, je suis pas Orlando. Ah, c'est con. On va encore manger. Ah, le son est tellement mieux pour moi, ça dit. On va prendre du café. On a changé de sacoche aussi hier. Donc on a une sacoche bénie par Dieu apparemment. Et c'est à peu près tout. Par contre les Mother là ils font vraiment moche hein, dans les austères. Je crois que c'est exactement le même problème dans le premier jeu. On va dire qu'ils n'ont pas vraiment rajouté quelque chose d'autre pour les flingues comme ça. Donc c'est bof. Ça fait vraiment moche. L'autre, non, ça va. L'autre, le semi-automatique, ça passe. Semi-automatique est pas moche. Au bord de la rivière, tu as deux rochers en pic. Ah, là, les pics, ouais, les rochers en pic, c'est ce que je cherchais. Exact, exact. Ouais, c'est celui-là. Vive l'Allemagne! Enfin, il est joli avec les gravures et tout ça. Mais... après, le truc con, c'est qu'on peut pas le modifier. Donc le canon allongé on peut pas le mettre, le canon rayé on peut pas le mettre parce que ça augmente la portée. Enfin bref c'est con quoi. Mais l'autre il va mieux dans le holster là, l'autre. Et honnêtement les stats c'est quasiment les mêmes quand on regarde. Le Mother il fait plus mal. Voilà, il a un peu plus de dégâts, mais sinon, recharge, cadence de tir et tout ça, c'est moins. Donc je suis un peu deg. Bah, à la limite, celui-là, il est plus stylé, quoi. Enfin, il est plus stylé. Il est pareil au même, quoi. Plus fin, en tout cas. Bref. On va essayer d'avoir que des armes rares. C'est stylé. Quoique, pas que des armes rares parce qu'on peut pas les modifier donc. Donc bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Corps. Oh, le son il est différent pour moi. Je sais pas si pour vous vous avez le... Move it. Move it. On your knees. Cancers. We will not take up a moment longer than we got to. Give up. Good day, sir.
On se casse. Même pas on les fouille, même pas. Même pas on les fouille. Par contre le... Ah, faut que je regarde la map encore une fois. D'accord. Mais c'est quand même loin. Ah mais je dois tuer des gens, enfin je dois tuer des animaux je crois en leur galopant dessus. Je pense que c'est la dernière mission de lui. Je crois. Mr. Mason. Putain, tombe pas mec. Mr. Morgan. You want to be careful up here. Land is real treacherous. Sure. Real treacherous. I've been here before. Have you? Yes. Funny how things turn out. Never quite how you expect, is it? No, I don't suppose it is. What you shooting? Eagles. You know, the images, they really are beautiful. All thanks to you. I'd be some poor creature's bad meal by now, many times over, but for you. It's my pleasure. But please, you step away from the cliff edge. But I'm trying to get an eagle there. Yeah, they're beautiful. But unlike you, they can fly. Too true. You really must think I'm a buffoon, don't you? You think I'm such a dimwit, I'd just slip off the edge of a cliff. No, but... Hola, 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 hola. Please, sir. I'm dense, but not that dense. This area is quite safe. Quite, quite... Oh, oh! Ah! Damn! You're right. I am that much of a buffoon. Give me a hand, please. Put me out of my misery. Come here. Oh, dear. Oh, thank you. You know what? Bugger the eagles, I'm going home. You know, I really did get some amazing pictures, thanks to you. And somehow, I haven't quite broken my neck. You take care. And you too, sir. Sorry for all the trouble. C'est tout? Non. Oh. En gros, c'est pour nous dire qu'il s'en va, quoi. Pour son art, qu'il tenait à photographier les dingues. A failli payer le prix fort en tombant d'une falaise. Bon, bah. Regardez, dans quel jeu je suis. Désolé. Ouais, bah, je pensais qu'on allait devoir attraper un aigle pour lui, mais non. Apparemment, non. Bon, on se casse. Le photographe est pas dans le 1. Oh, plus. Dans le premier, je sais pas. C'est peut-être lui, hein. Moi, je pense qu'il y a des personnages récurrents comme ça, en fait, qu'ils ont repris pour le deuxième, vu que ça se passe avant. Mais je m'en rappelle pas. À part Marston, je m'en rappelle de personne. Voilà, voilà, voilà. Calme. Bon bah du coup c'est vite fini. C'est pas lui qui veut faire du cinéma. Je sais pas. On va parler à Emmett. Yeah. C'est un gunslinger. Un as de la gâchette. Donc on va voir un peu. C'est pas mal. Non, honnêtement, je m'en rappelle pas. Possible, mais je m'en rappelle pas.
peux esquiver les arbres aussi, parce que je le fais jamais. Apparemment, j'aime bien me prendre des armes. Waouh, l'aigle il vient d'attaquer un rat. Hein. What do you want? Howdy. You Granger? That's my name. My occupation, too, if you hadn't noticed. Weren't always like that, though, were it? You used to be a quick draw guy. You knew Jim Boy Calloway? Used to be's correct. Then there's a long over. And who might you be? Don't matter. I need you to tell me about Jim Boy. Just a quote for a book. A book about Jim Boy? Jim Boy. Well, shit. I can't talk to you now. Look at me. I'm knee-deep in hog crap. Well, don't mind me. We can talk while you work. I ain't talking and shoveling. Besides, a young man like you could get it done in half the time. I don't know about that. What's to know? You interested in the old days? You shovel this shit, I tell you some stories. You keep your hands clean, I don't give you squat. God damn it. These better be some stories. Oh, they are. Pick up the fork and get to work. Or get out of here and stop wasting my time. All right. I'll shovel your damn shit. Jim Boy weren't nothing, you know. Me? I killed men, women, and children, too. Animals. I even killed rocks. And I killed them good. I shot folks, stabbed folks, skinned folks. I scalp some. Boy, they scream when you scalp them. Hey, let me work. Don't know what got into these hogs, but I know what's coming out of them. Il a l'air d'être sympa, lui. I bash folks, butchered folks. I burned folks alive. Buried folks alive. One time, I... Yeah, I get it, all right? You're mean. What about Calloway? You have no idea, girl. Why, a feminine type like you, I'd probably have chopped your head off, stuffed you, and eaten you like a sausage. No doubt. Now it's clean enough to eat off. I guess I'm done. Get that barrel to the shit pile, and I suppose you is. All right. No shortage of shit round here. I'm hungry hog. No hand. Hell! That stinks! Okay, I cleaned up your mess. Go on. Tell me about Calloway. I said I'd tell you stories. I didn't say they'd be about him. Don't trifle with me, old man. You knew him. Just give me something. Anything. You making a book, you should make it about me. They're just words, is all. Give me something to say and I'll leave you alone. You owe me there. Hey, you be careful. Killer like me, it don't take much to end up on the end of my knife. One time. You know what? I don't think you were anything at all. Just a crazy old man. I ain't a killer? Well, you'd already be hog feed. I hadn't made a deal with the Federals, got this farm. This is your last chance, Mr. Granger. Give me a quote for the book. Hey, you don't hit no man of peace. No government witness. Calloway said you was full of piss, but he didn't tell me the half of it. I'm itching to drop you, girlie. Only you ain't worth my time. I got too much to lose. Too much to lose? Well, seeing as I cleaned up this pigsty, I figure I'm in my rights to wreck it. Let's see. You don't want to do that? You walk away right now. Well, well. All I wanted was a quote. You don't know who you're trifling with. Oh mon dieu, that's qu'est-ce qu'il fait? Placer la nuit dans un tas de fumier, t'es sérieux? There you go.
No. No. No! You did not! Oh, God! You just took yourself a regular shit shower, Mr. Granger. Boy, that's real nasty. You earned yourself a killing. And I'm gonna enjoy it now. Draw! It's gonna be the last thing you do. Je voulais pas le tuer, donc j'ai tiré. J'ai tiré sur les bras, je pense que ça a marché. Oh, il va falloir que je laisse mon semi-automatique du coup. Huh. On a une vraie panoplie d'armes en fait du coup. Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Recharge. Précision, cadence de tir. Une photo. Enfin, je crois. Ouais. Et voilà. Tue les cochons. Pourquoi je tuerais les cochons? Étudier. Cochon. Berkshire. Mais en plus, on peut même. Non, mais on peut pas les dépecer, rien du tout. C'est rien. Yep. Bon, on a une nouvelle arme légendaire. Enfin, légendaire. On a une nouvelle arme, quoi. Est-ce qu'elle est vraiment bien, bien? J'en sais rien. On va aller voir Flacco maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le chemin ou alors on va à la gare? Stanek Station. On va peut-être aller à la gare en premier. Ça va être trop haut. Je sais pas quoi en faire des pistolets. Ce qu'on pourrait faire, c'est... On a un revolver normal sur la droite, mais bon, légendaire. Et après, dans la ceinture, on a le austère. Ah, pas. Enfin, le austère, le. Celui-là de Midnight, quoi. Apparemment, celui-là de Midnight, il rentre bien dans le austère. Quand il est dans l'austère de secondaire. Ah, on va rester comme ça, c'est pas mal. Apparemment, c'est pas une gare aussi.
doit prendre le temps. La carte, c'était où la carte? C'était près de mon endroit, c'est ça ou pas? Rocher. Rocher, mais ça me dit pas grand chose, rocher. Là? Je sais pas, on va aller en bord. Yo Goldo! Ça a pas brûlé si c'est mouillé. Have some respect. Just leave me be. Well, shit. Guess they got what was coming. Corruption personified. I will cut you down. At least try fighting back. Ah, il sort le couteau et tout, le mec. Ah putain, mon chapeau! Pourquoi j'ai fait tomber mon semi-automatique à chaque fois? Quoique non. Non, c'est lui qui avait un semi-automatique, pardon, c'est bien ce que je disais, je pensais. Donc on en a fini avec le Cucus Clan apparemment. Compte rendu. Oh la vache. Alors, compte rendu à la réunion du trimestriel. Partie en 6. Sorcier supérieur sera connu comme grand satyre. Une fois encore, je vais vous... Acceptons-nous les femmes dans notre congrégation. Encore une fois, c'est un non unanime. Yep. Longe la rivière, ça c'est d'avoir. Yep. J'ai mes bonnes armes. Ouais, on est bon. L'autre côté remonte, ah merde. C'est qui chante? C'est Arthur? Depuis quand il chante?
et merci pour le follow au passage. Black Tiger, merci infiniment. J'ai envie de voir ça. Depuis quand il chante, Arthur? Non. Bon, ils sont où les rochers pointus? Je les ai passés, c'est ça? L'emplacement d'un poisson légendaire, ouais, mais non. There we go. Yep. Bah sinon c'est pas grave si on les trouve pas. Ça plus tard. Une ville fantôme. Easy, easy. Yeah. Tout a brûlé ici. C'est pas une ville du début. Pauvre. Ils sont morts de faim. J'aime bien découvrir des lieux comme ça, vraiment cool. Allez! On va faire un truc stylé, sauf si le cheval n'arrive pas vers nous. Yeah. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, c'était pas stylé. Elle était peut-être trop. Oh putain. C'était pas du tout stylé. Oh la vache. Alors, ce qu'on va faire, on va partir. Non, on va partir directement. C'est pas grave. On fouillera plus tard les... pour la carte. Si je trouve pas les rochers, c'est pas grave. On n'est pas... Yeah.
On les trouvera bien un jour, l'autre, de toute façon. Ah! Alors, regardons la carte. Easy. Regardons la carte. Non, carte au trésor, normalement. Chic. Ah non. Chacol, c'est ça. Putain, faut comprendre hein, à chaque fois. Alors. Il y a les deux rochers. Donc il faut descendre de la montagne. Il faut la monter, la montagne. Et descendre vers les rochers. Et apparemment, il y aurait une croix à côté des rochers, c'est ça? Pas dessiner ça plus simple, plus simplement. Allez, go, 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 go. Ah, peut-être monter. Okay. Calme, calme. Comment on monte? Ça va? Je sais que t'es pas tout terrain, mais... Est-ce qu'on peut grimper, ça? On dirait qu'on peut grimper. C'est quoi? J'ai peur de que tu te pètes une jambe. On va faire ça. Stay here, girl. Ça. Ah, il y a un camp.
comprends rien à ces cartes. Eh merde, pas ça. C'est Maxime, c'est un cow-boy, pas un alpiniste. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Jack Hall. Alors. Tu montes de l'autre côté, tu descends un peu sur le côté de la montagne et apparemment t'as un... Donc c'est sur le côté droit. Ah non, elle est où la ville? Ah, la ville elle est là. Donc ouais, c'est ça, côté droit. Genre là. Enfin, je crois. Ah. Un chemin qui descend. Faire ça. Alors là. Faut continuer encore? Oh la vache, on va mourir. Fouiller. Oh, c'est en dessous. Oh, d'accord. C'est en dessous, en fait. C'est dans la paroi, quoi. Collier. Trésor de la bande de Jack Hall. Ils 3 déverrouillés et trouver un trésor. Eh ben. J'avoue, je m'attendais pas à ce degré de cachette. Oh la vache. Des fumerolles sur les côtés? J'ai encore jamais vu ça. Ah, peut-être dans la neige. Ah, peut-être qu'il y a des sources chaudes. Peut-être ça. Ça m'étonnerait qu'il y ait des volcans. Enfin, des volcans. Genre, vous voyez ce que je veux dire. Et puis comme ça, ça me dit rien. Donc, l'endroit qu'on a moins visité, c'est la neige. C'est les montagnes, la neige. Par contre, comment on... Oh, putain. Ah, on va essayer de faire le sens inverse. Tout va bien.
tout va bien. C'est nouveau les quêtes de vétérans. Ben, c'est quoi les quêtes de vétérans? J'ai peur que le cheval se pète la gueule. Ah, près du site de la météorite et tout. D'accord. Et ouais, mais je l'ai pas débloqué, donc du coup, sûrement que je pouvais pas. On va aller voir Flaco. On va voir Flaco. Non, ils les ont rajoutés depuis un moment, je pense. Orion. On va aller prendre le train. Comme ça, ça nous évite de... de trop se balader à cheval. On pourrait aller manger à Valentine, vu qu'on est, vu qu'on y est. On n'a qu'à aller manger, parce que notre personnage est en sous-poids. Donc autant manger. On va aller au saloon et après on prend le train. Allez, un guet-apens encore une fois. My bastard of a friend double-crossed me again, and I ain't gonna stand for it this time. So listen, he's staying at the nearby hotel. You rob him, we split the money. What do you say? Find someone else. I ain't interested. Fine. Suit yourself. You're long, pal. Ah, pas le temps pour ces conneries. On n'est jamais allé à ce magasin, je crois. Mais jamais. Yeah. I only keep select items on the shelves. Gum and candies behind the shelf, and the medicine and tonics are on the table against the wall. See the catalog if you can't find what you're looking for. Okay, let's see what I want. All right. One more? Of course. Merci. Thank you. This should help. Thanks, mister. Est-ce que pour vous c'est sombre ou pas, l'image? Est-ce que c'est pas trop sombre? Ah bah tiens, il fait jour, presque. Watch where you're going. Il est minuit et il fait beaucoup plus jour, c'est bizarre. Hello there, mister. Fellers. Oh, good job, I sharpened up my scissors this morning. What kind of thing you looking for? Who turned the lights out? Well, people ask where you got it, you be sure to tell them. Pommade,
Looking at you's making my eyes hungry. You keep this up, and I'm gonna owe you money. On a 8 sur 10. On a mis pas trop mal. Je crois qu'on a les cheveux quasiment au maximum. Il manque encore un niveau et on est bon. Hey yo. What can I get you? Partner? Lamb's fry, yeah, lamb's fry. Okay, be seeing you. Am I lucky I ran into you? Oh, it stays down. Voilà. Et avant de partir, on va boire un petit coup. Je comprends le train de nuit. Faut être dans la bonne ambiance. Again, huh? Ain't the first time. I have to say, life is pretty good. Nice. Allez, on se casse. Ils sont cool les saloons. Franchement, l'ambiance elle est vachement bien faite. Qu'est-ce qui se passe? On la connaît elle? Oula. I'm in a real bind. This fella, he's in a bad way. You gotta help me. I'll pay you. Okay, okay, calm down. Where is he? He's inside. Upstairs. Come with me. I'll show you. Oh là 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 là, on va devoir tuer des gens, ça. You better find your own path. Mec, il aime pas qu'on... qu'on passe par le même chemin. It was me or him. What the hell is this? I gotta clean this room. Can you get rid of him, please? I'll give you all the money I got. Bastard started beating on me, choking me. He was a demon in human shape. Jesus. Well, guess he had it coming. Yes. Yes, he did. So will you help me? I must really be losing my mind this time. You know, there's a pig pen not too far. Just dump the body in there and they'll eat him up in no time. Pas se faire voir, je présume. J'avais mis ça au cas où si on nous voit avec un cadavre sur le dos. Merde, y'a pas un truc qui s'est échappé. Oh, c'est pas grave, on s'en fout. A la base, on devait prendre un train. On devait tout simplement prendre un train et rien de plus. Manger et boire et après prendre le train. Maintenant, on est complice de meurtre. Cool. Done with, right? Damn straight. This whole town's better off. Trust me. Je peux te montrer comment the je peux. Over
You did a good thing. Now please go. Je peux bien me comporter avec toi si tu veux. Non, pas vrai, ok. Soon enough, this will all be behind us. Ah, c'est bon, on se casse. Bon, est-ce qu'on peut partir? C'est bon maintenant? Assez d'aventure pour ce soir? Partner. Ça s'est mal passé pour toi la mission? Monter. Sur nous, fait chier. C'est pas grave. On dirait que c'est. On dirait que c'est un animal. Alors, Flaco, où est-ce qu'on va prendre le train? S'il n'y a même pas de station à côté, en fait. Oh la vache. Ça sert à rien de prendre le train, je crois. Ouais, j'ai pas eu la discrétion. Ah, okay. Garde Wallace. Ah, c'est là. Ouais, non, on va y aller en envoyer du courrier. What do you got for me today? I'll take care of this one for you. Non, bah, on va y aller à pied en fait, enfin à cheval. Je pensais qu'il y avait une station pas loin mais... Yep. Morning. Mister. Étudier les moutons. Ah, on peut attaquer les moutons par contre. Bon, on est parti. On coupe un peu, hein. Coupe un peu. Voilà. Oh la vache. Quelle esquive. Quelle esquive. Jamais passé par là. La première fois que je pense qu'on. Où est-ce qu'on va? Yeah.
Eh ben, compliqué hein pour passer. Avoir froid. Sûrement. À un moment, on refera toute notre panoplie de vêtements. On va se calquer sur ce qu'on a en vêtements et faire des vêtements pour différentes vaches. Différentes saisons. Je suis pas super fan d'ici. Sur de la glace, hein. Ça va. J'avais un peu peur que ça casse et que on perde le cheval. Il est ici le cheval rapide. Ah, le pur sang arabe. Et on se croirait dans The Thing, le film de Carpenter. C'est quoi un petit gars de qualité? Examiner la carte. C'est bien fait la neige quand même. Ouais, super bien fait la poudreuse, vraiment cool. Ça me rappelle un peu Tomb Raider, là, le deuxième aussi, le début dans la neige, c'était vraiment bien fait. Bon, par contre, par où on passe ?